c'est Arc08. Aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on se retrouve pour le let's play numéro 19 de Horizon Zero Dawn. Alors, ce n'est pas le chiffre, ce n'est pas grave. Je mettrai le bon dans le titre. Ok. Oula, il y a un gros lag. L'éclipse. Elle bricole le démon de métal. Il ne pense pas pouvoir le réveiller, quand même. Faites attention! Encore un Kopech. Et celui-ci bouge. Je sais pas ce qu'il va faire, ça m'inquiète. Ok. C'est bon, j'ai compris ce qu'il va faire. Salut toi. Ok, alors je suis dans la dôme. Salut toi. Ok, faut que je me taille, faut que je me taille. Alors je préférais l'autre, déjà l'autre me faisait flipper mais celui-là... Ouais, je sais plus viser. Ah, la tourelle est détruite, mince. Oh yes. Bon, ce qui est bien avec ces... Oh, oh, oh. Ok, si je vise bien, je peux détruire une mission. Purée, c'est où le truc là? Ah purée, c'est plein de points faibles ce machin là où il tire. Ça a marché. Ces soldats dans le passé, ils devaient combattre des centaines de ces choses en même temps. Ouais. Bon, ça va, franchement j'ai pas... Je préfère ça plutôt qu'un... Comment ça s'appelle? Un corrupteur, c'est vachement plus compliqué, un corrupteur à tuer. Bon, ça me fait du bien là, ça fait deux missions de deux jeux, Mafia et GTA, que je fais à la suite et que j'ai des missions pourries. Et là... ça me détend là, je joue à, enfin une bonne mission. Bonjour. Merci docteur Sebek, asseyez-vous. Quoi? Vous lui êtes reconnaissant après ce qu'elle vient de dire? Le docteur Sebek a parfaitement éclairci la situation, commandant, mais nous a donné une option. Nous devrions tous la remercier. Mais c'est juste que... Enfin, mon Dieu! Peut-être voulez-vous en parler en ligne? Il n'y a pas la moindre discussion à avoir. Vous avez vu les chiffres. Ted Faro signera le chèque, mais son argent ne pourra pas acheter le temps nécessaire pour terminer Hope Zero. Ça, on ne l'obtiendra que par le sang. Oh, s'il vous plaît. Si on améliore notre flotte, qu'on arrive à pirater les codes... Vous n'avez pas écouté. Les robots ne combattront pas à votre place cette fois. En matière de piratage, cette colonie est un prédateur de premier ordre. Si vous leur envoyez des machines autonomes, ils les pirateront et les récupéreront. Mais enfin, on va quand même pas envoyer des civils à l'abattoir. Commandant, l'ennemi que nous affrontons s'auto-réplique plus rapidement qu'on le tue.
et ils s'alimentent de biomasse. Au zéro, c'est tout ce qu'on a. Alors, on va donner un canon électrique à tous les civils assez solides pour en porter un, leur montrer où appuyer et les envoyer au front. Comment on va les motiver? En leur donnant une bonne raison de combattre. Aube Zéro. Le programme top secret de super-armes qui nous sauvera si l'humanité retient la colonie assez longtemps pour que le docteur Sobek et son équipe le terminent. Le fichier que je vous envoie est le plan de bataille de l'opération Victoire Pérenne. Le plan de bataille? C'est un crime de guerre. C'est loin d'être idéal, mais on n'a que ça. Envisagez cette option. Docteur Sobek, je vous ai affecté une base de lancement orbitale déclassée à Braves dans l'Utah pour que vous développiez Hope Zero. Vous aurez de la place. Quand commencez-vous? Je vous ai envoyé une liste de candidats Alpha et Beta. La plupart sont des ressortissants étrangers ou des employés de Holding, donc leur extraction. Je m'en occupe. Vous aurez votre équipe. Comptez dessus. Alors j'y vais. Ok, donc il faut que je relance un petit machin, j'ai l'impression. La base de lancement orbital. Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ok, ces bon. Qu'a bien pu faire Elisabeth? Hop. Pas fâché d'être enfin sorti. Je vais devoir trouver la base de lancement orbital dont il parlait. J'ai vérifié mes données et localisé la base. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et la mauvaise? Elle est juste en dessous de la citadelle. Le palais de Brunante. La capitale des Karja de l'Ombre. Ça complique pas mal les choses. En effet, le palais grouille d'agents de l'Éclipse, dont beaucoup sont haut placés, et tous sont équipés d'un focus. Dès qu'ils te verront, Hadès te verra aussi. Il enverra un nouvel ordre d'assassinat, et cette fois, toute la milice des Karja de l'Ombre sera à tes trousses. Alors, désactive leur focus? Tu l'as déjà fait? Ce n'est pas si facile. Il y a beaucoup trop de focus rassemblés. Chacun communique avec les autres et avec Hadès. C'est un réseau entier. Un réseau? Qu'est-ce que c'est? Imagine une toile, vaste et invisible, qui recouvre tout le territoire d'un bout à l'autre, reliant tous les focus. Ce qui leur permet de communiquer sur de longues distances instantanément. D'accord. Donc, il y a un moyen de couper la toile? Faire planter le réseau, c'est osé. Oui. Il y a un moyen. Un point faible dans le réseau. Dis-moi où. Je t'envoie les coordonnées sur ton focus. Vas-y, et je te donnerai des précisions un peu avant que tu n'arrives. C'était quoi, Hope Zero? Quel genre de super arme a bien pu créer? Bah voilà, on va s'arrêter là, c'était un petit let's play. J'espère qu'il vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Bon voilà, du coup, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Et peace out. Allez, salut.